Credo che possiamo cominciare i nostri lavori dando la parola al professor De Meyer. Sua Eminenza, i regi signori rettori, stimati colleghi, signore e signori, è un grande onore per me poter avere la parola su questa giornata di studi sulla figura di Giuseppe Tognolo e la ringrazio di tutto cuore per l'invitazione, particolarmente l'iniziatore, il professore Daniele Menozzi. Mi dispaccio molto di dover comunicarle che, come fiammingo o belga nell'andofondo, non ho una padronanza sufficiente della bella lingua italiana. Gli organizzatori mi hanno dato il permesso per parlare in francese. Le chiedo scusa per questo. Tognolo e il Mouvement International Catholique. Giuseppe Tognolo è una référence dans le contexte de l'action sociale socio-sociétale catholique internationale. Il compte parmi les pionniers de l'action sociale catholique et la démocratie chrétienne modérée, également appelée démocratie catholique. Son nom est souvent associé à celui de personnalités comme l'évêque allemand Wilhelm Emanuel von Kettler, les activistes et publicistes français Léon Harmel et François-René René de la Tour du Pin, ou le professeur de droit et de sociologie belge Victor Brandt et finalement Arthur Verhagen, alias le Baron Rouge, président de la Ligue démocratique belge. Notre exposé portera surtout sur la perception et la réception de Tognolo dans l'action socio-sociétale catholique internationale. Les thèmes suivants seront successivement abordés conformément à leur chronologie. 1. Circa 1880 jusqu'à 1890, le monde à l'envers ou la découverte de Tognolo en tant que médiéviste à ses débuts. 2. Circa 1890 jusqu'à 1900, la figure de référence plutôt invisible ou l'ombre de Liège et de Paris. 3. Circa 1900, le maître à penser souvent consulté. Et 4. Finalement, circa 1900 jusqu'à la fin, l'homme porté au nu de son vivant. On peut affirmer qu'en général, Tognolo est davantage cité pour l'importance de son action socio-sociétale que pour ses conceptions théoriques. Nous verrons qu'il s'agit en réalité d'une perception et d'une réception unilatérale et quelque peu étriques et qui ne lui rendent pas entièrement justice. 1. Circa 1880 jusqu'à 1890. Le monde à l'envers ou la découverte de Tognolo en tant que médiéviste. Giuseppe Tognolo apparaît pour la première fois sur les écrans de radars internationaux en tant que scientifique et chercheur par le biais de ses études historico-juridiques et de sa connaissance de la vie économique et sociale au Moyen-Âge. Le fait qu'il ne s'intéresse pas tant aux réalités sociales qu'aux systèmes socio-économiques en vigueur attire l'attention de ses collègues à l'étranger. Nous en apprendons certainement plus sur l'importance de Tognolo à cet égard cet après-midi dans les exposés de notre collègue Stefano Zamagni. L'attention de Tognolo pour le système des guildes médiévales, sujet qui sera approfondi par Laura Serasi,
a été pointé par des médiévistes belges de renommée internationale, comme le professeur liégeois Godfrey Kurtz, maître d'Henri Pirenne, plus connu encore. C'est dans le cadre de ces activités de médiéviste que Tognolle est invité à présenter un exposé sur les associations catholiques d'action sociale au 3e congrès international des œuvres sociales de Liège en 1890. Le fait que les organisateurs du congrès soient étroitement liés à l'Union de Fribourg et la familiarité de Tognolle avec celle-ci joue également dans cette invitation. Tognolle fournit la contribution demandée, mais c'est le prêtre italien Sebastiano Nicotra qui fait en fait lecture et qui s'abstiendra ensuite de participer au débat, déjà assez animé sur l'orientation future du catholicisme social et la place qui peut être donnée ou non à l'intervention de l'État et au développement d'une législation sociale. Au milieu des débats et des tensions entourant l'avenir à donner au programme socio-sociétal catholique international, Tognolle reste donc plutôt en retrait. Il joue en quelque sorte le rôle d'expert assez invisible, expert dans la réorientation corporatiste de la société moderne. Cette formule est présentée par l'Union de Fribourg comme alternatif qui permettra de créer dans une perspective sociale une société harmonieuse, offrant un moyen terme entre le libéralisme individualiste jugé néfaste et le spectre du socialisme greffé sur la lutte des classes, la peur du rouge, et, pire encore, du collectivisme. Les congrès des œuvres sociales internationales de Liège en 1886, 1897 et 1890 ont pour ambition de concrétiser les idées de l'Union de Fribourg et de les implanter en Europe. Cela s'avéra, il est vrai, plus facile dans le secteur agricole, par les unions agricoles, et celui de l'artisanat, que dans le secteur industriel, où les guildes s'opposent aux syndicats chrétiens et les micro-corporatismes des penseurs français, Léon Harmel, Demain et René de la Tour du Pin, au corporatisme germanico-autrichien, plus axé sur le macro-niveau de Karl von Vogelsang et d'autres. Sans oublier les débats déjà houleux consacrés à la relation ou liaison possible entre le corporatisme et l'appel à la démocratie politique, à l'élargissement du système politique bourgeois pour en faire une démocratie davantage tournée vers le peuple. À cette époque, Tognolle reste donc dehors de la tempête qui s'est levée autour de la démocratie chrétienne. Au congrès de Liège, on poursuit surtout, à la fois comme piste de pensée et ambition déclarée, la volonté de christianiser l'élan démocratique qui se fait jour en Europe. Une déclaration comme, je cite, « La démocratie peut être chrétienne, le socialisme ne le peut pas. Le nom des démocrates, heureusement, n'est pas encore confisqué. Nous l'avons pris parce qu'il exprime une idée conforme à l'Évangile. Il est beau, il est chrétien. » Fin de la citation, faite par le professeur louvainiste Georges Helleput, également un homme politique, architecte néo-gothique et fondateur des ligues agricoles en Belgique. À Liège, on estime que la future démocratie doit être déterminée par la caractéristique essentielle de l'épithète chrétien, qui la précède, concrétisée par une devise des plus parlantes, trois mots, famille, religion et propriété, propriété contre le collectivisme du socialisme.
Si Toniolo reste assez modestement à l'arrière-plan, il me semble important de souligner qu'il défend une approche transnationale, voire internationale, de la problématique sociale. Sa Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliari peut être considérée comme un modèle dans ce domaine. Au Congrès de Liège et de Malines, on va également promouvoir, en partie sur la base de son autorité, une approche internationale ainsi que l'échange d'idées et de modèles pratiques. Toutefois, le Comité international d'action sociale, qui voit le jour à Liège en 1991 et vise à réunir les catholiques à date fixe sur le thème de l'action socio-sociétale, jugée si nécessaire, ne décollera jamais. Il en restera à une unique réunion présidée par le comte Walbot de Bassenheim du Bavière. 2. Circa 1890 jusqu'à 1900. La figure de référence plutôt invisible ou l'ombre de Liège et de Paris. Dans l'ombre des congrès liégeois, Toniolo devient donc progressivement l'une des figures de référence du catholicisme sociétal international, ou plutôt transnational. On remarque que c'est en France qu'il gagne d'abord la notoriété. Dans un premier temps, il s'y introduit par l'entremise de la Société d'économie sociale ou du vaste réseau également ramifié à l'échelle européenne qui s'est constitué autour du théoricien social français et corporatiste avant la lettre Frédéric Le Play et ses unions de la paix sociale. C'est grâce à ce réseau que les idées de Toniolo, mais aussi ses initiatives concrètes, se font connaître. Mais il ne participe pas en personne aux assemblées de la société. Une fois encore, il se fait représenter par Nicolas Nicotre, ainsi qu'en témoigne sa contribution sur le trouble social et la formation des sociétés ouvrières socialistes en Sicile. Ma collègue Marie-Rose Protasi a décrit la relation de Toniolo avec les unions de la paix sociale dans un article intitulé « Le pléyélisme et revue catholique en Italie des années 1880 au début du XXe siècle », je cite « Du côté français, ce fut principalement le Leplaisien Claudio Janet qui, en entrant en contact avec les catholiques libéraux toscans et Giuseppe Toniolo, principal doctrinaire des chrétiens sociaux, joua le rôle clé d'intermédiaire entre l'école de la paix sociale et les groupements catholiques italiens qui s'étaient appliqués à l'étude des problèmes sociaux. » Fin de la citation. Plus loin, dans cet exposé, je me verrai obligé de nuancer fortement ce lien entre Toniolo et les cercles liés à Le Play, ou du moins de vous faire part de quelques constatations paradoxales. Dans un deuxième temps, ce sont les salons parisiens où l'on discute de la problématique sociale qui contribue peut-être le plus efficacement à forger la notoriété de Toniolo. Ils s'y rendent cette fois personnellement, même si c'est de façon assez sporadique. Dans ces salons, il entre en contact avec les corporatistes déjà nommés, Léon Harmel, François-René de la Tour-du-Pin, mais aussi avec de jeunes démocrates chrétiens progressistes, comme Henri Carton de Villard, éditeur et l'animateur de l'hebdomadaire bruxellois L'Avenir social, journal démocratique catholique, plus tard nommé La justice sociale. La figure charnière de ce réseau est le français Henri Lorrain, dont l'habitation parisienne devient non seulement le lieu de rencontre de tous ceux qui viennent d'être cités, mais accueillit aussi Georges Goyot, Max Thurmann ou Raoul Jay.
le réseau débouche sur la création, en 1901, de l'Union d'études des catholiques sociaux et en 1904, des Semaines sociales de France. Tognolo tient lieu dans ce cadre de figure de référence de l'action sociale catholique, tandis que sa qualité de médiéviste et d'expert du corporatisme passe progressivement au second plan. Pourtant, j'ai l'impression que Tognolo ne prit pas personnellement part aux Semaines sociales françaises, même si je n'ai aucune indication pour le prouver. Il me semble néanmoins important de signaler qu'à la suite de l'initiative française, il lança la Settimana Sociale d'Italia qui eurent lieu pour la première fois en septembre 1907 à Pistoia et s'accompagnèrent de visites aux œuvres sociales ici à Pise. Voilà pour la réception de Tognolo dans les cercles belges et français. J'ai la nette impression que la notoriété de Tognolo dans les cercles socio-catholiques belges et français contraste avec le relatif anonymité dont il fait l'objet dans les œuvres, articles, livres, conférences des collègues allemands et autrichiens. Je n'ai en tout cas trouvé ni trace de présence ni référence dans les journées catholiques allemandes, les Katholikentag, alors que ces assemblées annuelles accueillaient toujours des hôtes ou des orateurs étrangers. Le constat étonne un peu. On peut dire la même chose des assemblées des Kolpingvereine ou associations ouvrières catholiques. L'absence de Tognolo dans les ouvrages de théorie sociale est plus surprenante encore. Quelques exemples. Ni le prêtre allemand Franz Hitze, dans son Capital et Travail et la réorganisation de la société, ni les différents travaux de Karl von Vogelsang, on ne trouve que quelques rares références à Tognolo. Pour être honnête, je dois ajouter que les références sont plutôt rares également dans les œuvres de François-René de la Tour du Pin ou d'Albert Demain ou Léon Harnal. Comment expliquer que Tognolo, qui était une référence en ce qui concerne l'action sociale, ne soit pas mentionné dans les ouvrages théoriques ou moins mentionné? Le fossé linguistique constituerait là une explication. Aurait-il rendu ses idées moins accessibles? Mais alors, comment expliquer sa réputation de médiéviste, sinon par le fait que les médiévistes de l'époque lisaient en revanche couramment l'italien? On peut le questionner. Dans ce domaine, je reste donc sur ma faim. Des recherches récentes ont montré que Tognolo avait sans doute eu une influence sur la pensée du prêtre allemand Karl Sonnenschein, qu'il rencontra à Rome. Après ses études, Sonnenschein travailla pour le Volksverein et rassembla avec Franz Hitze, que nous venons de citer, les œuvres sociales chrétiennes dans l'Empire allemand. Comment se fait-il que, dans les allocations de Hitze et Sonnenschein, lors des journées catholiques allemandes, on ne trouve pas le moindre mot sur Tognolo? J'en arrive ainsi au constat déjà signalé, un peu paradoxal, lié à la relation ou à l'interaction entre Tognolo et le cercle leplésien, les unions de la paix sociale. Vous pouvez imaginer mon étonnement en constatant que Tognolo n'est pas mentionné dans la revue principale du réseau des unions de la paix sociale, la réforme sociale, quand il est question de l'Italie, ou que son œuvre est seulement être quelquefois citée dans la bibliographie avec quelques commentaires. Bizarrement, seulement quelques petites références dans l'article consacré en 1892 par Claude Janet à la réforme sociale en Italie. Tognolo n'apparaît pas non plus dans la liste des membres
qui ont été publiés dans la revue entre 1891 et 1910. Medalago Albani fait bien partie de la liste, mais il se retire déjà après 2 ans, ce qui semble indiquer un certain désintérêt pour les unions de la paix sociale de la part de l'entourage de la Revista Internationale. Mais comment cette absence ou cette invisibilité doit être comprise ou interprétée? Peut-être l'explication réside-t-elle non seulement dans la barrière linguistique, mais aussi dans le fait qu'Ottoniolo était un homme modeste, n'ayant rien d'une figure de forum ou ce que nous appelons aujourd'hui un personnage médiatique. Une autre explication pourrait être, selon moi, que Ottoniolo se montra très strict concernant les principes et qu'il se cantonna à la seule action sociale catholique. Certes, il est parmi les participants au Congrès international des catholiques en 1900. Certes, il encouragea la participation italienne à l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs lancée en 1901. Mais il ne prit part à aucune façon à l'Association internationale pour la lutte contre le chômage, actif à partir de 1910. Pas plus qu'au Congrès international pour la lutte contre le chômage, qui eut lieu à Milan en 1906. Peut-être le lien entre la Società Humanitaria, à l'initiative de l'événement, à la franc-maçonnerie, en la personne de Prospero Moise Loria, joua-t-elle un rôle dans cette absence? Mais Ottoniolo ne fut pas non plus actif dans le comité permanent des congrès internationaux des accidents de travail et des assurances sociales. Même son nom resta absent du bulletin édité 3 fois par an par celui-ci. En résumé, nous devons voir Ottoniolo comme l'une des figures de référence dans le développement du catholicisme social d'orientation transnationale, rien de plus, rien de moins non plus. Cela m'amène à la phase suivante de la réception et de perception de sa personne. Donc, 3. Circa 1900, le maître à penser, le sage souvent consulté. Vers 1900, Ottoniolo est devenu un véritable maître à penser, du moins dans le contexte géographique Italie, France, Suisse francophone et Belge. On le considère désormais comme le sage, à qui l'on demande conseil à propos des options qui s'offrent à la démocratie chrétienne et des orientations à donner au catholicisme social. Il existe à ce sujet plusieurs témoignages. Je donne quelques exemples. Primo, lorsqu'en 1997, le démocrate chrétien bruxellois, déjà nommé Henri Carton de Villard, consulte à Rome le pape Léon XIII au sujet des nombreuses tensions régnant entre le parti catholique conservateur et la démocratie chrétienne émergente en Belgique. Son secrétaire, le cardinal Rampolla, l'envoie également trouver Ottoniolo. Ce qu'il fera, effectivement, dans ses souvenirs politiques, Henri Carton de Villard décrira Ottoniolo comme, je cite, « le savant professeur de Pise dont l'influence était grande sur le jeune clergé italien et dont les leçons d'économie sociale avaient, en une certaine mesure, préparé les voies à l'encyclique sur la condition des ouvriers ». Fin de la citation. Secondo, le président de la Ligue démocratique belge, Arthur Verhagen, le Baron Rouge, considère également Ottoniolo comme une référence. Dans le compte-rendu de son voyage agité à Rome, dans le contexte d'une violente controverse avec le parti catholique conservateur au sujet de l'encyclique Gravis de Communire, il affirme, je cite, « Quant aux questions libres, je ferai remarquer à votre sainteté,
donc Léon XIII, que nous sommes, nous les démocrates catholiques belges, a remarqué les démocrates catholiques, moins avancés que les catholiques italiens, Tognolo par exemple. Du reste, lorsque Vraag se rend une nouvelle fois à Rome en 1905, pour y être reçu en audience par le pape Pie X, il sollicite à nouveau l'avis de Tognolo sur l'interprétation exacte des orientations que le pape lui a données et pour échanger avec lui des idées sur les dimensions futures du programme social catholique. Tertio. Dans la revue sociale catholique, mensuelle socio-scientifique d'envergure internationale, le professeur levaniste Victor Brandt fait ce commentaire à propos du premier volume du Trattato di Economia Sociale de Tognolo. Je cite, « Dans le monde catholique des idées sociales, le professeur Giuseppe Tognolo occupe une place éminente. Honoré de la confiance des pontifes, il exerce une influence sur sa modestie et sa réserve empêche seul de s'affirmer davantage. Estimé de tous, il est à la tête de l'œuvre laborieuse et délicate de la réorganisation des forces sociales catholiques en Italie. Tognolo est salué par beaucoup comme un maître. Dans ses nombreux écrits, il a abordé les points les plus délicats, les régions les plus élevées de la science sociale. Nourri à la fois de doctrines philosophiques et muni d'études historiques, il joint dans ses ouvrages le raisonnement à l'érudition. » Fin de la citation. Brandt tentera d'ailleurs d'obtenir pour Tognolo un doctorat honoris causa à Lovagno. Quarto. Dans la question des Knights of Labour, le cardinal américain Gibbons est également invité à consulter Tognolo. Dans les cercles vaticans, Eduardo Soderini insiste pour qu'il entre, Gibbons, en contact et discute avec le professeur de Pise, dont il souligne la bonne relation avec le pape Léon XIII. Quinto. Le moment suprême de Tognolo est peut-être l'âpre lutte d'interprétation déclenchée par l'encyclique Graphe de Communire de 1901, dans les toutes premières années du XXe siècle. Pour le contexte de cet épisode, je renvoie à la lecture du professeur Sabino Cassese. Mais en fait, Tognolo adhère au choix de Léon XIII en faveur d'une démocratie chrétienne conditionnelle. Selon son compagnon d'esprit, le penseur et publiciste français Georges Guyot, il présente donc les trois éléments essentiels de l'encyclique de la façon suivante. 1. D'abord, je cite, « l'acceptation de la démocratie chrétienne en ce qui regarde le nom et en ce qui regarde la substance. » 2. Puis le soin que prend Léon XIII de munir la démocratie chrétienne de toutes les garanties nécessaires pour que le grand renouvellement social atteigne à sa fin. 3. Enfin, l'impérieuse insistance de l'encyclique pour que la démocratie chrétienne, appelée à engager la lutte décisive pour l'amélioration et la rédemption du peuple et de toutes les classes sociales, passe du domaine des idées au domaine de la réalité concrète. Fin de la citation. Mais plus loin dans l'article, je cite de nouveau, il dit, Guyot, « La personnalité de M. Tognolo donne à ses conclusions une valeur d'élite. Confident des intentions pontificales, l'éminent professeur de l'Université de Pise souhaite évidemment que l'encyclique Graphe de Communire soit le point de départ d'une action, le début d'un mouvement, et non point seulement un objet d'étude platonique, inactive et stérile. » Fin de la citation. Le duo Tognolo-Guyot prône dans le sillage de Léon XIII une sorte de dépolitisation de la démocratie chrétienne.
Il voit surtout celle-ci comme un renforcement du virage de l'Église en direction du peuple, une sorte de moyen pour mettre en œuvre un réveil chrétien parmi les classes populaires par le biais des œuvres sociales. Je cite à nouveau Guaiot, qui se repose sur l'autorité de Toniolo. Il est intéressant de rapprocher de l'encyclique Grave de Communire, où Léon XIII dégagea la démocratie chrétienne de toute affinité politique exclusive. La politique est très secondaire aux yeux des démocrates chrétiens, soit qu'elle la subordonne entièrement, comme il est juste, à l'œuvre sociale, soit qu'ils tiennent la question politique pour résolue enfin. Ils ne s'intéressent à la réorganisation du suffrage universel, à la décentralisation administrative et à l'émancipation communale, qu'à cause des rapports étroits de ces changements avec la représentation professionnelle et la part légitime d'influence qui doit appartenir aux associations dans le gouvernement du pays. Leur programme, de même que leur doctrine, est donc avant tout économique. Et le grand devoir de leur présente leur paraît être celui de l'action démocratie sociale. Fin de la citation. Bref, le mot d'ordre est de dépolitiser, la mission de christianiser. La démocratie chrétienne n'est pas pour un but en soi, mais bien un instrument, un outil, le véhicule que la christianisation doit emprunter. 4. Fin. Circa 1900 jusqu'à la fin. De Toniolo, porté au nu de son vivant. Rares sont ceux qui ont cette chance. Toniolo, quand à lui, va être porté au nu de son vivant, alors qu'il est encore en pleine activité. Mais peut-être les ressorts et les motivations de cette béatification de fait sont-elles encore plus importantes que le phénomène lui-même. À nouveau, je voudrais commencer par vous présenter une série de citations courtes mais représentatives. Je citerai tout d'abord Robert de Briey, dans la Revue sociale catholique, en 1905, dans un article intitulé « L'action sociale des catholiques en Italie ». Je cite « À ce moment, Toniolo apparaît à l'horizon et désormais tout le mouvement doctrinal en Italie va graviter autour des écrits du célèbre professeur de l'Université de Pise. À côté des Conte Grossoli et Albani, voici Giuseppe Toniolo, connu dans le monde scientifique surtout depuis la publication d'un ouvrage sur les facteurs de la puissance économique de Florence au Moyen-Âge. Il s'est révélé parfois au grand public par de nombreux articles et des conférences où perce parfois sur l'écorce un peu austère du savant les accents d'une âme tout apostolique. Un admirateur fervent de M. Toniolo le définissait un jour devant nous en ces termes. C'est un savant qui serait en même temps un saint François d'Assise. Fin de la citation. Je poursuis avec une citation tirée de Georges Guaiot, de nouveau, dans l'Église et la démocratie chrétienne, trois études sur l'encyclique Grave de Communire, publiée à Liège en 1901, où Toniolo est présenté comme une personne que toute l'Italie catholique vénère et admire. Pourquoi cette vénération? En réalité, Toniolo est perçu comme un apôtre, un pionnier du programme social chrétien. Le fait qu'il n'affectionne pas particulièrement les forums et les grandes tribunes, mais préfère prodiguer ses conseils lors d'entretiens témoigne de sa vision chrétienne. Les nombreux motifs justifiant cette perception du personnage peuvent être illustrés par une citation tirée d'une lettre envoyée aux hommes d'œuvre italiens en 1900 pour solliciter leur participation au Comité national
de l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs, dont Toniolo est le président. Je cite Toniolo. Je ne veux pas insister davantage dans ma sollicitation. Qu'il me soit seulement permis de rappeler les paroles de M. Descurtin, un Suisse, au Congrès de Zurich, que cette législation ouvrière est un moyen d'attendre à la grande vérité morale, affirmation glorieuse du christianisme, et que pour cela, le travail est une source de dignité et d'élévation pour l'homme. Et il cite de nouveau le président Henri Scherer, en Suisse, a rappelé qu'il était urgent de démontrer qu'aujourd'hui encore, cela n'est pas une utopie, mais un postulat qui attend sa prochaine exécution. Tout cela et d'autres propos ont été répétés encore dernièrement au Congrès de Paris, et il a été dit que devant une question aussi importante et digne, les dissensions les plus profondes devaient s'effacer et que la trêve de Dieu devait régner. Fin de la citation de Toniolo. Comme on le voit, Toniolo est un peu considéré comme l'apôtre chrétien de l'Action sociale internationale, ce qui lui vaut une place à part. Conclusion. Provisionnel. À ce stade, je suis tenté d'affirmer que Giuseppe Toniolo occupa une place remarquable et même un peu particulière dans le catholicisme socio-sociétal d'inspiration transnationale ou internationale. Mais il faut noter que c'est surtout dans le contexte géographique Italie, France, Suisse francophone et Belge. Il joua, selon moi, le rôle du sage, du maître à penser, du conseiller qui doit en partie sa réputation à sa qualité de confident des autres instances de l'Église catholique romaine. Son attitude réservée, le fait qu'il n'apparaît pas volontiers à l'avant-plan ou dans les grandes assemblées, font de lui un médiateur précieux, un conseiller influent. Son désintéressement est également remarquable. Seul lui importe le contenu, la force civilisatrice du christianisme, l'efficacité de l'action. On peut donc sans doute le décrire comme un sage, un apôtre davantage que comme un leader socio-théorique ou un activiste. Un grand merci pour l'attention. Molte grazie al professore De Meyer che ci ha presentato questa storicizzazione della figura di Toniolo nelle varie modalità in cui è stato presente nella rete del movimento sociale cattolico europeo, appunto articolando a seconda dei momenti geografici, dei momenti cronologici e degli ambiti geografici. Per una prima riflessione su questo problema.